La famille, comment vous allez bien? Ouais, je suis heureux. Cette année-là, c'est l'année des comédiens. Cette année, c'est l'année des humoristes. Cette année, c'est l'année de ceux qui font rire. Et vous voyez, bien sûr, le concert de Doyen Digbeu Cravate, le concert de Papa ou Pépé Oméga David, et le Woman Show de Eunice Unon, et puis ensuite Ramatoulaye qui sera au Burkina. Mais ce qui m'a plu aujourd'hui, c'est cet artiste, éminent artiste que je suis tous les jours, mon grand frère, Safkin Obiang, qui a acheté 200 tickets. Je ne sais pas si c'est buzz, mais je ne pense pas aussi que ça fallait faire du buzz parce que c'est quelqu'un qui a fini avec le travail, qui joue beaucoup avec l'argent et c'est très important. C'est ce qu'on a besoin de nos aînés, hein. Soutenir nos vivants, c'est très important. Ok, maintenant, ce qui me plaît le plus, c'est notre vieux père, Fally Ipupa. Vieux père, merci beaucoup. Avant-hier, je disais sur les réseaux sociaux que c'est pas tout qu'on voit qu'on parle, c'est pas tout qu'on voit qu'on critique, c'est pas tout qu'on voit qu'on essaie de faire buzz avec ça. Il se peut que Fally a fait ça. Regardez vous-même. Il a porté une plainte contre une dame, peut-être, hein, qui dit qu'il a enceinté ou il a eu enfant. Mais les gars, c'est pas partout qu'on fait buzz, hein. Fally, toi, il faut s'y enseigner, dessus. On est ensemble. Famille. Oui, d'accord. Kingston.